Alors, je suis prête, ma petite tenue du jour, très assortie. Donc aujourd'hui, on va dans le désert avec les enfants. Et on va se passer normalement une très bonne journée sur place, je vous montrerai. C'est un nouvel endroit. Donc voilà, ma petite tenue, robe très fluide, maillot de bain, le sac. Évidemment, il y en a trois autres remplis d'affaires pour les enfants. Ça, c'est juste pour faire ma belle. Et ces choses que ça fait 1000 ans que j'ai pas mis, qu'elles soient sorties à ma robe, je trouve que ça fait bien. Bisous. Et les musiques romaines, c'est de la bombe. Franchement, le rythme, il est entraînant. J'apprends les paroles parce que je connais pas. Je l'ai en boucle dans ma tête du matin au soir, mais réellement. Avouez la vérité, vous êtes comme moi. Vous l'avez en boucle tout le temps. Ça. Ça me prend trop fort d'ailleurs, celle qu'on fait le challenge. C'est notre journée, ça c'est un bras zéro, la piscine, regardez, en plein milieu du désert. C'est canon. Là, regardez, c'est l'intérieur de la villa, du coup, qui est que pour nous. Regardez comme c'est stylé, bien climatisé parce qu'il fait tellement chaud. Ici, c'est le petit buffet où les enfants se sont déjà servis. Voilà ce que ça donne, l'intérieur. Stylé, hein? J'ai un salon là avec la télé. Tout est bien aménagé pour les enfants aussi, si vous venez avec les petits. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites au buffet tous les deux? On se régale? Regardez comme c'est mignon. C'est quoi? Le popcorn? Ouais. Et c'est parti pour la baignade du coup. C'est vraiment. Top ici. Bon, se régaler mes enfants. Kenan, ça va ma vie? Didi, ça va ma chérie? Ah ouais? Ah bah tant mieux. Bon, voilà, tu as vu le désert en face. Bon, après, Nono il ira faire son quad, son buggy. On est vraiment comme à la maison ici. Regardez le thé à la menthe. Magnifique. Regardez-moi ça. Des mhajab qui sont tout chauds en plus. Enfin, les mhajab ils sont là, farcis. Ça, c'est le demsemen. Petite pizza par ici. On va se régaler. Manger des mehjouba dans le désert de Dubaï, quand même. C'est magnifique. Et là, regardez, il y a le barbecue qui est en train de se faire. Regardez le repas de ce midi, ou du moins le buffet. On a pour nous, en fait c'est le service du repas dans cette villa. Regardez, ici on a du hummus, là c'est des brochettes, ici un petit grating de fromage, salade de riz, ma passion avec les grillades. Là regarde, on a du poisson grillé avec des gambas. Là c'est le grating charcuterie,
les merguez qui sont les meilleures merguez de Dubaï. On les prend à la même boucherie, nous. Elles sont trop bonnes. Salade de pâtes qui a trop clair. Crudité, les boissons. Regardez les menus enfants, s'il vous plaît, comme c'est beau. Si vous venez ici avec vos enfants, mais c'est ça. Menu enfant. Magnifique. Des petits wraps. Vous savez qu'avec tout ce qu'il y a, je vais un peu goûter de tout. Mais mon plaisir, c'est ça, je vous montre. Baguette. De la baguette comme en France, avec les merguez mayo harissa. Ça, ce sandwich, c'est toute ma vie. C'est les sandwichs que j'ai hâte de manger cet été, Nono, à Marseille, quand tu nous fais les barbecues. Avec salade de pâtes, salade de riz à côté et tout. Enfin bref, une tuerie. Il s'est fait une bonne assiette, hein, monsieur, par ici. Air pas mal. Il déteste, Nono, quand je montre ce qu'il mange en plus. Qu'est-ce qu'il est bon, ce jus. Il est excellent. Je vais vous montrer mon assiette. Je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris les gambas avec les salades. En plus, elles sont piquantes. Et Nono, il est en train de me dire que les merguez, c'est la frappe. Voilà mon sandwich. Ça, c'est sandwich quand même à Marseille. Dans la bonne baguette en plus. Les petits, ils se régalent. C'est bon, mon fils ? C'est bon, ma fille ? Ah bon. Voilà. Alors, il y a aussi, elle se régale après. Mais bon appétit ! Est-ce qu'elle n'est pas trop jolie ? Ma trousse, enfin mon summer bag de chez La Chilée. Ils ont fait cette trousse là pour l'été. Et en fait, elle est avec ma gamme Sun, je vais vous la montrer. La gamme Sun, c'est celle-ci. Je vous montrerai tout à l'heure comment je les prends. Alors très honnêtement, j'ai commencé depuis 3 jours, c'est tout. J'ai arrêté d'ailleurs les Good Hair du coup, parce que je ne peux pas en prendre 2 en même temps. Donc je passe sur cette gamme, puisqu'elle est auto-bronzante. Et vu que j'ai réussi à avoir un joli bronzage, ben, je veux le préserver et surtout le prolonger. Donc voilà, je la prends toujours avec moi. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard pour vous donner une réduction aussi. Là, je suis trop touchée. Je vais vous montrer ce qu'ils nous ont fait, parce qu'ils savent que Didier, elle a eu 2 ans. Et bon, on n'avait pas fait de fête ici. Et franchement, c'est une attention trop mignonne pour son anniversaire du coup. Je vais vous montrer, c'est trop touchée. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mimi avec son chiffre 2? Elle va souffler du coup sa bougie. Elle a même son petit chapeau d'anniversaire. C'est trop cute et je suis trop touchée. Ici, en parallèle, on a des bons fruits aussi qui vont bien passer. Kenan, on va chercher Didi du coup. Elle est sortie avec Nono pour l'occuper un peu, mais elle va venir souffler sa bougie. Yeah? Ok. Souffle la bougie pour ta sœur. Doucement, souffle. Bravo! Yeah! Bravo! Ça, ça me rappelle quand j'étais petite, les anniversaires avec mes cousins et mes cousines. C'était que ça. Et on se retrouve pour un nouveau haul Jeans Industry. On commence notre haul avec cette robe qui me tardait de recevoir. Regardez tous les petits volants qu'elle a. C'est une robe qui est dos nu, donc on vient attacher ici. Elle a un joli dos nu et elle est magnifique. Il y a une petite fente aussi par ici. Est-ce qu'elle n'est pas sublimissime?
Bon, j'avoue qu'avec un joli bronzage, ça ressort encore mieux. Mais ça, pour robe d'été, elle est canonissime. Et elle est très, très extensible aussi. Jeans Industry, vous savez qu'à chaque fois, leurs tenues le sont, justement. Donc, histoire qu'elle vous taille à la perfection. Et regardez-moi la beauté de cette robe. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont la commander pour les soirées de cet été. Elle a une fente aussi par ici. Et elle est juste canonissime. Alors, elle est dos nu. Vous avez un dos qui est croisé avec un lassage à faire sur le bas de votre dos. Elle est canon. Regardez-moi la beauté de cette robe. Alors ça, c'est une robe qui est fluide et ample, avec une légère ouverture par ici, qui est avec de la dentelle. Regardez le bas. Il y a une doublure en dessous. Elle est canonissime. Elle est belle, hein? Bon, moi, vous savez que c'est trop mon kiff, les tenues comme ça, ensemble chemise. Moi, j'aime bien les nouer, mais tu peux les porter en long. Pantalon taille haute, bien ample. Ça me rappelle, vous savez, la collection que Jeans Industry avait fait il y a 2 ans. Et je l'avais portée quand j'étais à mon safari en Tanzanie. Un peu, vous savez, zébré, et j'avais le modèle un petit peu reptile. Ben, c'est à peu près le même délire. Voilà, et ça, c'est des tenues qui passent avec tout et qui fonctionnent très bien. J'aime trop le motif. Ici, regardez le modèle de cette robe papillon. Elle est magnifique. Le nœud là au centre, bah, il fait toute la beauté de la tenue en fait. Les fans de jeans, regardez-moi cette robe qui est magnifique, boutonnée avec un bustier, une fente du coup sur le devant. Elle est parfaite. Ça vraiment de saison pour cet été, elle est magnifique. Et cette combi, vous devez la reconnaître puisque je l'ai en gris délavé et je la voulais aussi en noir parce que j'aime porter du noir. Donc elle est magnifique, c'est une combi avec, ici vous voyez, vous pouvez resserrer votre taille, une fermeture éclair en guise de fermeture tout simplement. En fait, tu la portes, tu mets d'abord ton pantalon, puis ensuite tu remontes ta fermeture et voilà, tu la zippes à la hauteur que tu souhaites. C'est du jean, encore une fois, très bonne matière, très bonne qualité et la coupe, elle est magnifique. Et voici ma tenue du jour. Alors j'ai craqué pour cette robe, déjà pour ses manches, pour son style évasé, et parce qu'avec mon sac et mes chaussures. Ça, c'est une robe très italienne, vous voyez. Elle est trop belle. Elle est très légère, très très fluide. Franchement, trop bien pour aujourd'hui, pour ma petite journée. Ça y est, on est rentré. Les petits sont en train de dormir. J'ai fini ma bonne douche. Là, je vais me mettre la crème que je préfère, que vraiment je vous recommande, la Dior Bronze. Après soleil, elle permet de prolonger le bronzage déjà, et surtout de ne pas peler. Parce que moi, à la base, j'ai une peau de reptile. Je bronze, je pèle et je perds tout. Et vraiment, cette crème, pépite. Pépite, pépite. Bon, il faut mettre généreusement pour vous dire que j'en ai mis sur mon visage. Après les journées soleil, bien sur le buste, mettez-en généreusement. Et surtout les épaules et les bras. Voilà. En plus, elle est scintillante, elle peut. Mais vraiment la Dior Bronze, je l'aime trop, elle sent bon, elle est trop trop bien. Donc là, c'est pour ma peau, du moins par-dessus ma peau. Et à l'intérieur, ces fameux gummies. Donc ils sont des gummies à la pêche, du coup. Ça change des fruits rouges avec les goûts d'air, ils sont trop bons. Mais ça, c'est vraiment les gummies que je prends qu'en été, parce que moi après je m'expose peu. Donc je suis tout le temps blanche toute l'année. Mais c'est vrai qu'en été, je veux profiter parce que c'est auto-bronzant. Et que pareil, ça fait prolonger le bronzage. Et pour que vous compreniez aussi, j'ai stoppé les gouttes d'air. À la base, moi, j'ai toujours pris les gouttes d'air chez la Chibé. De temps en temps, je prenais aussi les gouttes sun en été, mais sinon, c'est gouttes d'air toute l'année. Là, du coup, je fais une pause parce que je ne peux pas prendre 2 gammes en même temps. Du coup, pour l'été, je passe sur celle-là. Et les gouttes d'air, de toute façon, ils ont super bien fait le taf. Donc là, j'ai suffisamment encore d'effet sur moi et mes cheveux. Mais là, je pars sur cette gamme-là. Et c'est une gamme qui est sans gélatine animale. Il n'y a pas de produits laitiers, pas de gluten, rien de bizarre. À l'intérieur, vous avez en fait des minéraux, vous avez des vitamines, des principes actifs, plein de bonnes choses en fait qui vont justement permettre de faire effet sur votre corps. Ici, en l'occurrence, sur votre peau. Mais il n'y a absolument rien de bizarre. C'est sans sucre, c'est toujours des formules véganes qui sont formulées sans hormones. Et de toute façon, vous savez que l'Achillée, c'est un laboratoire expert en nutri cosmétique. C'est les précurseurs d'ailleurs des gummies à la base, puisque bon, ils ont énormément de gammes, pas que des gammes capillaires ou des gammes pour le bronzage, il y en a plein d'autres différentes. Mais c'est vrai qu'à la base, ils ont pensé gummies
pour que justement ça soit mieux absorbé qu'un comprimé par exemple ou autre. Et ça fonctionne très très bien. De toute façon, vous allez voir là, mon bronzage, comment il va durer, comment ça va s'accélérer, ça va être prolongé du coup. Et j'aurai un teint vraiment bien allé comme j'aime, quoi, miel, vous voyez. Donc je vous les conseille, ils sont très très bien si vous voulez avoir un joli teint. Et si vous commencez la bronzette, prenez-les, ça vous aidera, vous verrez. Et c'est vrai que le labo m'a dit que les gommes avaient changé de texture et de couleur. Et en fait, à la base, ils sont transparents. De base, ils étaient orangés. Et là, c'est transparent avec des petits éclats dedans. On dirait du safran même. Et en fait, vous avez trois pigments végétaux, dont du bêta-carotène, qui sont micro-encapsulés pour une meilleure efficacité. C'est pour ça justement que le teint il sera parfaitement bronzé. C'est grâce à cette technologie-là. Enfin, ils sont trop forts. J'allais en remanger, mais non, j'en ai déjà pris deux. Consommez-en par deux. Hein. Par deux, tous les jours. Et si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez quand même l'avis d'un médecin avant, par précaution. Consommez ça sur 3 mois minimum. Vous savez qu'en général, les gommes, pour avoir de vrais résultats, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, etc., c'est bien de faire une cure de 3 mois. Et à partir de 3 mois, justement, vous avez the résultat. Bon, là, les résultats pour la seule, moi, personnellement, je les vois plus vite avant les 3 mois, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup plus vite. Et bien, et si vous souhaitez passer votre petite commande pour vous, pour cet été, pour votre peau, vous ne serez pas déçus, ça, c'est sûr. Voilà. Et d'habitude, chez la Chilée, c'est 10%, mais là, jusqu'au 30 avril, on est sur 15%. Je vous partage mon code. Vous savez que je tiens compte de vos avis quand je vous les demande. C'est vraiment parce que j'ai envie d'en tenir compte. Et hier soir, pour les diadèmes, en grande majorité, c'était non que oui. Il y a eu beaucoup de oui, mais plus de non. Et notamment sur le fait que ça peut peut-être faire trop, c'était un peu à l'ancienne, que là, c'est... Bon, vous allez me dire que je le mets à l'envers, donc je vais essayer de le mettre à l'endroit cette fois-ci. Mais que du coup, pour un renouvellement, ça va peut-être faire un peu too much. Et je suis d'accord avec vous. Bien que j'aime bien le too much parfois, mais c'est vrai que je ne veux pas non plus que ce soit pas terrible, quoi. Bien que je kiffe ça. Moi, le diadème, pour moi, c'est féerique. Donc, ça m'a toujours plu. Mais là, c'est vrai que, bon, j'ai lu vos messages en même temps que vos commentaires. Et je me dis, elles n'ont pas tort. Donc, j'ai besoin de votre avis sur un deuxième truc. Je vous redemande votre avis, là, pour le coup. Je vais vous le mettre en photo, là, ma tête, juste après. Comme ça, c'est plus facile à moi de lire sur la photo. C'est des vidéos, ça coupe. Parce que je me pose une question. J'ai pris l'avis de mes proches, mais le vôtre aussi peut m'aider, je pense. Donc, I need you.